Salam Séan! Ouais, voici Captain Fleur de ce plus connu sous le nom de champion MCA. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Harry Potter. Chose qu'on a commencé dans la dernière vidéo qui était un essai de jeu. Je me suis dit, bon, on peut pas faire une série avec ça. Notre nom, bon, c'est belle qu'on a. Champion MMCL Fleur de lycée. Ouais, c'est le nom complet que j'ai pris parce que ça me tentait. Courage, en fait, c'est pour les. Ah oui, la dernière vidéo, je sais pas si j'ai remarqué ou quoi que ce soit. C'est que quand on est quelle chose. Je finirai pas le dire un jour. Quand je dis que nous étions dans la maison Gryffondor, que deux personnes se sont dit. Ouais, ça donne pas tant. Là, par contre, désolé si vous n'avez pas la musique du Dumbledore. Quelle maison que j'aurais pris, ça aurait été la même aussi que son frère. En gros, tout ce qu'on voit là, c'est, ça n'aurait rien changé. C'est que c'est en train de me dire. Ça se peut. Je n'ai pas choisi d'être chez Gryffondor. Oui, j'ai choisi ça. Et on ne t'a pas choisi, nous. Personne de troisième année, je pense. On peut être dans le lit. Désolé champion, je voulais faire quelque chose, mais tu m'avais demandé de ne pas réagir quand on était au chemin de traverse. Merci Royan, j'espère que si je les ignore, ils me laisseront tranquille avec mon frère. Tu as regardé ton emploi du temps? Oui, tu te rends compte botanique avec le professeur Chour. Rave, mais morphose avec le professeur McGonagall. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Cours de sorcellage. Sorcellage, pourquoi pas? J'ai hâte d'être en cours de sorcellage. Je veux apprendre tous les sorts incroyables du directeur de Serre d'Aigle, le professeur Flitwick. Mon dieu, des noms bizarres. Tu sais la prononcer? Heureusement, nous avons le cours de sortilège avec le professeur Flitwick à la première heure demain. On se retrouve là-bas. D'accord. Vous avez terminé toutes les tâches d'histoire du chapitre 2. Maintenant, temps de terminer votre première leçon pour ce chapitre. Cours de sortilège. Cours de sortilège. Ah, c'est le fun quand on fait ça dès le début. Ok, c'est lui. Ah oui, le va-et-vient. Wingardium Leviosa. Pas Leviosa. Ça nous a marqué, ça, Harry Potter, c'est ça, on peut le dire.
Ravi de vous rencontrer, professeur Flickwick. J'ai hâte de suivre vos cours de Source Life. Vous êtes mademoiselle Fleurdis. Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'est l'un de mes élèves les plus doués. Ah, ouais. Il dit bon, il dit moins bon. Tout le monde fait référence à son frère. C'est parce qu'il était à une place, mais il y a peut-être autre chose pour qu'on le sait pas aussi. Cela dit, c'est aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Il dit bon, mais du moins bon. Comptez-vous suivre le règlement? Grosse pression. Dans le fond, on a une mauvaise réputation du frère. Je suis ici pour apprendre, professeur. Je ne veux pas créer de problème. Très bien. Mademoiselle Fleurdis, veuillez vous asseoir. Le cours va commencer. Bienvenue dans votre premier cours de sorcellerie. Je suis votre professeur. Flickwick. Honnêtement, je ne sais pas son nom. Il faut avoir LOL. Soyez bien attentif aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique, le sort que vous apprendrez. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sortilège très important. Le sortilège d'allumage T'inquiète. Ce sortilège est pratiquement dans les endroits obscurs. Ok, Lumos Maximum, que ce soit possible de réparer le potentiel danger, t'appuie dans l'ombre. On peut essayer de retrouver ce parchemin qui a glissé sous le sofa. Je savais c'était Lumos. Je le savais. Ou Lumos Maximum. Pour vous savez quoi. Dans ce cas, vous accomplirez des actions pour gagner des étoiles. Gagnez 2 étoiles pour apprendre Lumos. Le son sur Lumos. C'est à vous d'essayer maintenant. Vous vous demandez sûrement comment. Écoutez attentivement, je vais tout vous expliquer. Accomplissez des actions pour remplir votre jauge d'étoiles. Je sais faire ça. Vous avez gagné une étoile pour avoir accompli la première activité. Choisissez votre récompense. C'est quoi la différence? Prends le chaud, j'en ai pas. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Que produit le sorcelage Lumos? De la lumière. Et voilà. À vous d'essayer, suivez-vous, Lumos. Ça, c'est important, ça aussi. Il est temps de lancer le sortilège de l'image de Baguette. Lancez Lumos. D'accord. D'accord. Parfait. Bravo, mademoiselle Fleurdis, c'est la meilleure exécution du sorcier de l'image de Vega de la part d'un première année que j'ai vu depuis longtemps. Longtemps. 10 points pour Griffon. Beau travail, champion. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sorcelage de l'image de Baguette. Il était important comme meilleur. Tu as vraiment un don naturel. Tout ça pour juste ça. Wow. Le cours de potion est le prochain. Je sens que ça ne va pas être facile avec Rogue. Effectivement. Wingardium Leviosa. Mais les vieux oiseaux.
Oh, c'est Leviosa et non Leviosa. Je pensais que ce qu'on aurait appris en premier, honnêtement. Si ce ne serait pas Rowan. Dis-le. Non. Dis que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard. C'est possible, je fais plein de listes des sorcières les plus puissantes de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Shurav, Madame Bibin, Madame Pomme Fraîche, les septièmes années. Tu es juste une première année comme moi. Ne nous mets pas dans la même peine. Est-ce que je tiens tête? Ou je distrais? Oh, allez, on va. Pour remporter des points d'aptitude, il existe trois aptitudes. Le courage, l'empathie et le savoir. Ah! Je ne vois pas pourquoi la sorcière la plus puissante de Poudlard harcèlerait une première année à moins qu'elle manque de confiance. Oh! C'est comme un peu le tenir tête. T'es qui toi, au juste? Les champions MCE qui devraient prétendre être la meilleure sorcière. Flitwick a dit qu'elle lançait le meilleur Lumos de toutes les premières années. Champion MCE, mais oui, je sais qui tu es. Tu es champion MCE, Fleur de l'Est. Ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison, s'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. Tu es à ta place chez Gryffondor. C'est une prétentieuse. Et toi, tu es qui? Myrulla Vipérine, une serpentor de première année, la meilleure sorcière à Poudlard. Dumbledore est le plus grand sorcier. J'ai entendu les professeurs chuchoter à ton sujet. J'imagine que tu te crois meilleur que moi. Je devrais te régler ton compte avant que tu détruises ce Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'as pas le choix. Moi, je pourrais jouer avec la raisonnée. D'accord. Le niveau de votre amitié, vos rivalités et vos succès à Poudlard. On peut essayer d'en discuter et de devenir amis. Tu crois que j'ai envie de devenir ami avec toi? T'es aussi cinglé que ton frère. Fleur de Lys, je savais bien que vous causeriez des problèmes. Professeur Rogue, Myrulla, s'en prenez à mon ami, professeur. Allez en cours, potion. Estimez-vous heureux est-ce que je ne vous envoie pas en retenue? Merci de m'avoir défendu, champion. Je n'ai jamais été très forte ni très douée pour me faire. Je suis content qu'on soit toutes les deux chez Gryffondor. Chez les Gryffondor. T'as entendu ce que Myrulla... qu'a dit Myrulla? Je sortais de quelqu'un pour... Oups. Pourquoi est-ce que les professeurs parlent de moi? Je ne sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. À cause de... Pendant le jeu, c'est moi, bien sûr. À cause de ça. À cause du frère. Salle de potion. Ceci est votre premier cours de potion. Et avoir cet air perplexe dans vos yeux, ce pourrait très bien être le dernier. Hein? Pourquoi le dernier? Ok. Contrairement à vos autres cours, on ajoute
passe avec Gata de manière ridicule en écorchant bêtement des incarnations. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions et pouvoir même enfermer la mort. C'est ça? Évitez vos sens, libérez votre esprit et testez. Aujourd'hui, vous préparez un simple remède contre les furoncles. Sachez que j'attends de vous la perfection et qu'il y aurait des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. Commençons. Mes impressions. Tu te crois si spécial, fleur de l'essai, mais tu es déjà voué à l'échec. C'est ce que tu veux dire par là? Tu verras. Ignore la champion, après avoir été réprimandé par Rogue, nous devons concocter cette potion à la perfection. Bon, une heure pour ça. Et une heure, c'est pour pouvoir avoir le remonter à jour, probablement. Contre les furons. Puis après ça, nous allons se laisser. Pour commencer à concocter un remède contre les furoncles, votre technique doit être parfaite. Regardez. Ne me faites pas répéter. Concentre-vous. Oui. À l'air... Je sais pas. Rebelle. Se préparer à terminer le remède. Dépêchez-vous de finir vos potions. Je veux voir à quel point vous avez raté cette recette. J'ai hâte de voir votre tentative de création d'une potion de remède contre les furoncles. Pas de l'air sûr. Faire de l'aise. N'est-ce peut-être pas complètement incompétente après tout? Ça a marché. J'ai concocté ma première potion. Félicitations, champion. Dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion correctement au premier essai. Attends, que se passe-t-il? Tu as ajouté de la poudre de bulbonox. Selon mes études, cela ressemble à un début de réaction explosive provoqué par l'ajout de poudre de bulbonox. Explosif? Toutes mes fils sont guéris. La table des furoncles. Vous n'auriez jamais dû être admis dans ma classe, frère de l'Est. Comme si j'aurais voulu être des personnes aussi. Vous êtes encore pire que votre frère. Moins 10 points pour Gryffondor. Mais qu'est-ce que c'est-tu prévu dans le scénario? C'est moi qui m'a fait mal de... Un certain niveau d'attitude. Le choix troisième nécessite courage niveau 2. Vous n'êtes pas qui a courage niveau 1. Ok, j'ai pas le choix de faire ça. J'attends pas de faire ça. Ça c'est du courage, ça c'est ça. Assumez la responsabilité de votre incompétence. Gordis. J'aimerais bien. Mais Merula nous a menacé, mon ami et moi,
Et elle a dit qu'elle s'assurerait que j'ai couru de potions. Elle se sent menacée parce qu'elle croit que je suis une sorcière plus puissante qu'elle. Est-ce vrai, mademoiselle Vupirine? C'est absolument faux, professeur. Fleur de Lys est clairement aussi folle que son frère et tout aussi déterminée à tout gâcher à Poudlard. Votre famille a bien représenté Serpentard, mademoiselle Vupirine. Je vous surveillerai de plus près pour que vous fassiez de même. Tu as bien fait de lui parler de Myrula. Tu aurais sans doute perdu encore plus de points pour la maison si tu ne l'avais pas faite. Ça n'ira pas en s'arrangeant, Fleuris. Vous serez mal foi. Mais je peux en pire. Tu aurais dû savoir qu'ajouter dans ton chaudron de la peau de Bulbonox ferait exploser ta potion. En effet, je le savais. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis l'élève de première année la plus importante et que ce n'est qu'une honte comme ton frère. C'est mais tout ça en 109 pour que on déjà quand on a une mauvaise réputation fait encore plus salir la réputation. Peut-être ça changer au fil de la série, peut-être. J'ai hâte de savoir ça. Sortez, je vous ai tous déjà assez vu pour aujourd'hui. J'ai perdu 10 points pour la maison Gryffondor, mais j'en ai gagné 10 aussi. Ça annule le tout. Que se passe-t-il quand je retournerai à ces communes de Gryffondor? Chapitre 2 terminé. Bienvenue à Poudlard. Terminé. Chapitre 3. Les ennuis commencent. Suite à votre rencontre avec la Serpentor Myrula Vupirine, vous devez trouver un moyen de récupérer les points de maison que vous avez perdus. D'accord. Mais ceci, ça va être dans la prochaine vidéo. Ça, c'est cool. Terminé chapitre 5 de la première année et la quête secondaire. Soit des créatures magiques pour adopter des créatures magiques. D'accord. Nous sommes en première année, c'est-à-dire on pourrait aller à la 7ème année, puis rencontrer Harry Potter, j'espère. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Alors pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube, vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord. Donc tout le monde est le bienvenu, alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.